Ouh, du lapis. On va prendre ça parce que maintenant qu'on est en poids. Oh putain, là, 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 là. Eh bien, c'est tout le monde, c'est Jean-Fils. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de notre survie hardcore. Nous sommes sur notre beau putain de monde, regardez-moi ça. J'ai enfin le shader, je ne lag plus. Ce n'est plus possible que je lag. Je fais combien d'FPS? Je fais plus de 100 FPS avec le shader. Ça, c'est bon. J'ai trouvé le problème. Pourquoi je laguais, mais voilà, voilà. Nous allons continuer notre petite aventure, tout simplement, voilà. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en hors caméra. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va commencer, voilà. J'ai pas mal amélioré l'élevage de mes moutons, voilà, tout simplement. Waouh, waouh, waouh! On va les buter, tout simplement, parce qu'il me faut de la bouffe. Voilà, on va les buter. Oh, mais non, mais sortez pas. Ok, ok. On va en buter pas mal. Vous pouvez voir que j'ai pas mal de patates aussi, ça c'est cool. Patates qui me servent à bouffer. Et j'ai remarqué qu'en hardcore, quand tu manges par exemple un steak en normal, tu gagnes 4 gigots. Et ben là, t'en gagnes 3,5. C'est assez. Enfin, c'est assez désavantageux. Enfin, c'est. Par exemple, une patate qui donne 3 en normal, eh ben, elle va en donner 2,5. Donc voilà, c'est un petit truc. Voilà, on a tué assez, on a 44 de viande. C'est bon. 46 maintenant. Voilà, donc notre petite ferme. J'ai des patates, j'ai des carottes. Voilà, on va prendre un peu le blé qu'il y a ici. Voilà. Comme ceci. On va prendre les patates en même temps. Voilà, il reste quoi? Bah ici, patate. Voilà, il y a plus rien. Sauve ici. Ah non, j'ai rien dit. On va se faire à couper quelques petits moutes. Voilà, à couper vous. Voilà. On va manger une petite patate. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait en hors caméra. Déjà en hors caméra, j'ai pas mal exploré tous les alentours. Donc là-bas, il y a un petit endroit, le petit marais qu'on a déjà vu. Derrière le petit marais, c'est l'endroit le plus proche où j'ai trouvé des vaches. Donc on pourra aller chercher nos vaches là-bas. On pourra... Là-bas, il y a un village qu'on a vu dans l'épisode précédent. Et derrière ce village, il y a un autre village encore beaucoup plus grand. Et où ils vendent quelque chose d'intéressant. On n'ira pas voir ça dans cet épisode. Mais on ira voir ça dans un prochain épisode. De ce côté là-bas, il y a un biome de glace avec des spikes, là, les spikes en machin, donc c'est quand même loin. Là-bas, j'ai pas beaucoup été exploré, mais je sais qu'il y a des montagnes et tout. Donc voilà, j'ai pas mal exploré. Ici, j'ai enlevé toute l'herbe qu'il y avait pour que ça soit un peu plus beau. Voilà, il reste encore tout ça pour accueillir les vaches. Et voilà, là on va monter. J'ai fait planter plusieurs cannes à sucre. Et voilà, donc ma petite maison, j'ai ajouté quelques coffres, un coffre ici, coffre nature, on va l'appeler comme ça. Voilà, j'avais fait cuire des patates. On va faire cuire nos raw moutons, notre laine, on va le mettre en bloc. Et regardez ce que j'ai. J'ai été miné, pas mal, beaucoup. Voilà, j'ai 11 diamants, ce n'est pas tous les gens, parce que j'ai pas tout miné de diamants. Il y a encore dans la mine en bas, je vais vous montrer, on va les miner tout de suite. Pas mal de fer, pour le moment, je suis bien calé en fer. Pas mal d'or, voilà. Je vous montre un peu. Donc, là, la nourriture. Et là, les objets divers, comme les blocs. Et que, voilà. Voilà. Tout simplement, on va poser ça. Et on va aller voir dans la mine ce que j'ai fait. Alors, un petit conseil pour les gens qui commencent une aventure. J'avais mis de base ma porte comme ceci. J'ai trouvé une petite astuce. Car on est en hardcore. N'oublions pas qu'en hard, les zombies peuvent détruire les portes. Alors, pour ne pas que les zombies détruisent les portes, on va pas le mettre comme ça, mais on va le mettre comme ça. Donc là, la porte, elle est fermée. Et quand on l'ouvre pour nous, bah, elle est ouverte voilà, c'est un petit truc. Donc, comme elle est comme ça, le zombie ne pourra pas ouvrir la porte. J'ai fait de même avec la truc ici. Donc, c'est assez cool. Est-ce que j'ai assez de torches? On va déjà en faire, voilà. Donc, les shaders, ça rend un
petit truc, voilà. Donc j'ai fait une petite mine ici, une petite porte ici pour se mettre en dessous. Waouh, c'est beau. On va en profiter qu'il fasse nuit pour aller faire un petit somme. Voilà. Est-ce que voilà, 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 voilà. Donc ce que je vais montrer maintenant, j'ai trouvé pas mal de choses en minant. Oh, regardez-moi ce beau soleil. Oh, c'est génial. Ok, donc on va descendre. Il faudrait que je fasse un truc avec un minecart, ça sera beaucoup plus simple. Enfin, un petit ascenseur, un truc comme genre. Voilà, donc ça rend un petit truc, ça rend plus réaliste les shaders. Je suis bien content. On entend un zombie là. J'ai pas encore trouvé de mob spawner, j'aimerais bien en trouver un. J'aurais cru voir un zombie. Alors, ah, les premiers diamants. Non, ça c'est le dernier diamant que j'ai trouvé. Voilà, on va voir combien j'en ai eu. Et il faut savoir que j'en ai déjà capturé 11 dans mon chest. Il y en a qui venaient d'un mineshaft. Parce que oui, j'ai trouvé un mineshaft. On va miner ça. Voilà, on a 8. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et vous savez quoi? Avec ces diamants, on ne va pas miner le reste des diamants. Je sais plus. Oui, là-bas, j'ai miné comme ça. Et j'ai trouvé des diamants. Et savez-vous... Ouh, ces petits bruits qui font bien flipper. Ici, on va mettre une petite torche. On va pas miner... Qu'est-ce qu'il y a ici? On va mettre une petite torche, voilà. On va pas miner ce diamant que vous allez voir maintenant. Attention. Voilà, du diamant ici. Ah, il y a de l'or, je l'ai pas miné, je l'ai pas vu. On va le miner ensemble. Voilà. On va pas miner ce diamant tout simplement parce que j'ai pas envie de... On va essayer d'abord de faire une table d'enchantement, une pioche et espérer avoir l'enchantement Fortune 3 sur notre pioche. Et ça serait plus intéressant d'avoir une pioche Fortune 3 pour ça. Voilà, donc on va déjà sécuriser ça. On va voir combien il y en a déjà. Donc voilà. Bon, il n'a pas... Oh, attendez, je vais voir. Ok, il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Ok, il y en a 4 ici. Et on va sortir. Les autres diamants que j'avais minés, ils étaient beaucoup trop loin. C'était vraiment le fin fond de la grotte. Je m'étais même perdu. Et voilà, donc ces diamants-là, je les ai... Je les ai déjà minés. Je vais vous montrer en pensant aux achievements. J'en ai fait pas mal. Donc il nous en reste combien? Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 achievements. Donc ça va. On va les compléter au fur et à mesure. Donc je vais vous montrer les autres diamants. Où est-ce que je suis? Ah oui, voilà. Les autres diamants que je minerai pas tout de suite, comme je le dis. On va essayer de faire une table d'enchantement. En parlant de table d'enchantement, comme je vous ai dit, j'ai trouvé un autre village de PNJ avec deux bibliothèques, des maisons de bibliothèques à l'intérieur. Je sais pas si vous entendez, mais il y a un avion de chasse qui survole ma maison. Tchou, ça fait salement du bruit, hein, ce machin-là. Donc, oui, diamant. Du coup, je ne sais pas où c'est. Je sais plus où c'est, putain. Je sais vraiment plus où c'est. Aïe. Ça m'étonnerait que ce soit là-bas. Aïe, 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 non, c'est pas là. Si vous voulez, j'ai trouvé un mineshaft et il y avait deux diamants. Au pire, si je le retrouve pas, ben je minerai un autre épisode ou alors hors caméra. Bref, c'était pour vous montrer qu'il y avait un grand mineshaft en dessous de notre spawn. Et le problème, je ne le trouve plus et je ne sais plus où est ma sortie. Il faut que je fasse des repères, c'est un truc de fou. Oh, j'ai pas été exploré ici. Oh non, coucou. Ok. Pas explorer ici. Non, pas de diamant, dommage. Voilà, on va garder notre torche parce que ça fait de la lumière avec les shaders, ça c'est cool. Ouh, du lapis, on va prendre ça parce que maintenant qu'on est en point 8,
Oh putain, oh j'ai flippé ma race. Oh j'ai flippé ma race. J'ai failli y aller. Oh mon dieu. On a failli crever les gens. Oh mon dieu. Bon, il y a encore un avion de chasse qui passe. Là, je sais pas ce qui se passe dehors. C'est peut-être le Bagdad. Il y a peut-être une explosion, un petit truc. Voilà, on reporte les trucs. Bon, on a eu chaud. Très chaud. J'ai failli crever. Ça aurait pas été le fun. Ok, on va essayer de trouver la sortie maintenant. On va essayer, je dis bien. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? J'ai pas été exploré ici? Non. Pas d'exploration ici. Où est-ce que je suis? Ouh, aïe, 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 c'est pas bien ça, de se perdre. Ah, je crois que je me souviens de cet endroit ici. On va mettre une petite torche, voilà. Du fer, là on n'a plus besoin, on a déjà assez. Ouh, aïe, aïe, où est-ce que c'est? C'est pas là, non. Ah, voilà. Eh putain, ça commence à faire flipper, c'est quoi ça? Putain! Il doit être vraiment à ras du sol pour faire un bruit ainsi. Mon dieu. Voilà, là, je crois que je me souviens bien. Donc, je crois que vous avez entendu. C'est quand même assez puissant, il y en a trois avions là qui viennent de passer. Avion de chasse, hein, je serais certain. Voilà, on va remonter, on va faire une table d'enchantement. Comme j'ai dit, j'avais eu des bibliothèques dans le village qu'on va visiter dans un prochain épisode. Et donc les livres plutôt, j'ai eu des livres, donc on n'a pas besoin de faire une. On n'a pas besoin de directement de faire un élevage de vaches pour avoir le cuir, donc on a ça gratuitement. Voili voilou. Donc, ouh, les petits bugs là, les petits bugs. Donc voilà, j'ai les cheveux en ultra, ça fait vraiment grave plaisir. Regardez-moi ça, putain, c'est juste trop beau. Juste trop beau. Ok. Alors, on va poser notre diamant. Oh, ah, ben, merde. Il faut que j'aille prendre de l'obsidien. Donc, j'ai 19 diamants. On va en prendre 3 et 2 pour la table d'enchantement. Le livre aussi pour la table d'enchantement. Donc, j'en ai 42. C'est cool. On va prendre du bois que j'ai sur moi. Et on va faire une petite pioche en diamant. Attention. Non, j'ai pas d'achievement. Ok. Il faudra aller miner du bois aussi plus tard pour faire les bibliothèques. On va miner vite fait de l'obsidienne. Vite fait, vite fait, vite fait. Pour 4 obsidiennes, ça suffit. On va essayer de se stuffer. Si, j'espère avoir un enchantement. Comme vous pouvez voir, je suis niveau 35. Donc, on va pouvoir se faire un enchantement niveau 30. Et la partie caractéristique que je savais pas sur en 1.5, en 1.8 plutôt, c'est que maintenant, quand tu fais un enchantement, tu perds pas tes 30 niveaux, t'en perds que 3. C'est vraiment putain, c'est super cool. J'espère que je vais récupérer. Voilà, récupérer moi aussi. Et voilà, donc on va essayer de se faire un petit stuff. J'espère avoir une efficacité 4, une breaking 3, fortune 3 sur ma pioche. Ce serait vraiment super cool. Voilà, donc là on mine tranquillement notre obsidian. Allez, value. Donc proposez-moi encore des défis. Je prendrai le défi en compte pour les prochains épisodes. Ce que je compte faire, je sais pas si on va faire ça dans cet épisode ou un autre. Je crois qu'on n'a pas le temps pour cet épisode. Voilà, on a nos 4 psys. Ce que j'aimerais bien faire, c'est un panneau. Quelque part en haut, quelque part au-dessus, un panneau avec les défis qui ne sont pas complétés et les défis qui ont été complétés jusqu'à maintenant. Donc j'ai reçu actuellement deux défis, le défi de trouver trois villages PNG parce que je dis PNG, voilà. J'en ai déjà trouvé deux, il suffit d'en trouver un troisième et l'autre c'était faire un circuit redstone, donc ça c'est pas très compliqué, on fera peut-être quelque chose, je sais pas encore ce qu'on fera comme circuit, mais c'est sûr qu'on en fera un.
Ok, on va pouvoir commencer le craft de la table d'enchantement, monsieur. Et je crois qu'on a débloqué un achievement quand on fait ça. Oui, enchanteur. Ok, où est-ce qu'on va mettre notre... On va prendre le livre déjà. Et on va les miner. Il va faire nuit. C'est pas très cool ça. On va vite miner quelques arbres. Voilà. Mine ça, mine ça. Donc, je sais pas où on va mettre la table de la table d'enchantement. Faudrait trouver un endroit assez cool. Genre dehors, pourquoi pas dehors. Écoutez, pour le panneau, je ne sais pas où on va le faire aussi parce que s'il y a dans le beau paradis qu'il y a là, j'aimerais bien faire genre mes petites maisons et tout, un truc assez sympathique. Voilà. Donc là, on mine assez de bois, j'espère. Je sais pas combien il en faut. Il faut deux bûches par bibliothèque. Donc je devrais avoir assez. On va quand même, pour être sûr, en miner quelques-uns. Voilà. Là, je crois qu'on a assez. On va faire du dodo. Dodo, dodo. Comment ça va les bêtes? Comment ça va les bêtes? Je pense aussi agrandir le champ de nourriture. On pourrait faire ça dans cet épisode-ci. On va manger un petit coup. Et on va aller faire dodo. Ok. Et voilà, on va faire dodo. Allez. Voilà. Voilà. Ok, monsieur. On va faire. On a notre table d'enchantement. Ça, c'est cool. On a déjà ça. Ça, c'est vraiment cool. On va faire nos. Non, 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 non. Bibliothèque. Ah, j'en aurais que 13. J'aurais pensé en avoir beaucoup plus. Franchement. Aïe aïe aïe. 13, c'est pas assez pour avoir le niveau 30. Aïe 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 aïe. J'aurais pensé que j'en aurais beaucoup plus. Mais bon, on va. Bah, écoutez, on va aller chercher les vaches. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'on va le mettre cette table d'enchantement? Écoute, on va la mettre ici. Allez, on va faire un petit peu de place. J'ai pas de pelle. Donc on va faire ça à la main, comme des hommes. On va se mettre dans la montagne ici. Voilà, ça va faire un petit truc sympa. Voilà. On va se mettre tranquillement en base de tranquillop, n'est-ce pas? Du charbon. On creuse, on creuse, on creuse. Donc si j'ai pas assez de bibliothèque, on ira chercher les vaches. On fera un petit lasso, car oui, j'ai maintenant quand j'ai eu Mineshaft, j'ai eu des petites ficelles. Voilà. Donc pourra faire le craft de notre petit lasso, notre petite oui, c'est le lasso, je sais plus. Ok, on met notre table d'enchantement et tada, mouk, c'est beau. Tac tac. Pour mettre une torche ici pour un peu éclairer. Wow, un trou. Voilà, on va pouvoir mettre nos petites tables. Notre petit bookshelf. Oh, dites-moi, j'ai assez. 26! C'est pas vrai. Ok. Ok, les gens. Vous savez quoi? On va aller chercher les petites vaches. En espérant qu'elles soient bien là, hein. Qu'elle n'ait pas bougé, donc il nous faut 3. On va faire 3 pour être sûr, parce que j'en ai. Ok, on va en prendre 3 comme ça. Alors, si la sauce, si je me souviens bien, c'est comme ça. Oui! Ah, mais ça en fait déjà 2, donc on va en prendre 2, voilà, comme ça. Voilà. Slime ball, on la range. On range ça aussi. Et nous allons à la recherche de notre. On va prendre ça, j'avais cuit ça. À la recherche de notre petit mémé. Et c'est parti. En même temps, je vais vous montrer les petits alentours. Est-ce que j'ai bien dormi? Oui, c'est le matin. On va manger un coup. Les petites patates. Donc j'ai enlevé tout ça d'herbe pour avoir. Enfin, je trouve que c'est plus beau sans herbe quand c'est plus plat.
J'ai aussi des poulets là-bas que j'irai chercher avec le lasso en même temps. Car j'ai pas de poulet et ça serait bien d'avoir de la viande de poulet, etc. Pareil pour les plumes. Enfin, les plumes, c'est pas très, très important, mais bon, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, j'ai amélioré mon texture pack. Il change pas maintenant parce que j'ai pas. Enfin, parce que j'ai les shaders. Mais voilà. Il y a des petites différences avec mon ancien texture pack. C'est le Fateful, mais je l'ai un peu modifié à ma manière. Voilà, ça change un petit peu des trucs. Voilà. Alors, les vaches, si je me souviens bien, elles étaient bah, tout droit. Tout droit là-bas. Là-bas, j'ai vu un biome avec les gros arbres, les Darkwood. Avec des gros champignons, c'est ça qui. C'est intéressant pour la bouffe, les gros champignons, parce que quand tu casses un gros champignon. Ça te donne des petits champignons et c'est une source de nourriture assez sympa parce que tu peux faire des soupes de champignons. Ok, ça va pas tarder à arriver, s'il vous plaît, les vaches. Ok, c'était là-bas, hein, je crois. Donc voilà, là on peut. Attendez. Là on peut voir les gros arbres. Donc ça prend tout ça. Il est assez grand ce biome. Les vaches, elles étaient ici. Les vaches étaient exactement ici. Où est-ce que vous êtes, les vaches? C'est pas vrai. Où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'elles sont? C'est pas vrai. Ah, vous étiez ici? Il y avait trois vaches, un truc dans le genre. Pas vrai. Me dis pas qu'il y a que ces moutons là. Il me faut absolument du cuir. Oh mon dieu. Putain, je me souviens avant Minecraft, donc moi je date de la 1.0 de Minecraft. Avant, les livres ça se craftait seulement avec trois feuilles de papier. Maintenant il faut un cuir. Ok? Ça m'énerve. Où est-ce qu'elles sont passées ces vaches? Où est-ce qu'elles sont passées? Ah, ça c'est énervant ça. Ah, ben là il y a des cochons, ok, c'est pas du tout ce que je voulais, mais. Est-ce qu'on prend les cochons? Est-ce qu'on prend les cochons? Ok, on va prendre un cochon, deux cochons plutôt. Et on va essayer de trouver deux vaches en même temps. Donc on a nos deux petits cochons ici. Et on va prendre des vaches si on en trouve. On va chercher un peu. Hein. Franchement, je comprends pas parce qu'il y avait des vaches juste avant là. La dernière fois que je suis venu ici, et comme par hasard, il n'y en a plus. Je sais pas pourquoi. C'est un peu énervant parce que je voulais enchanter avec vous ma petite pioche, mais je sais pas si ça va se faire. J'aurais cru avoir assez, franchement. Assez de bibliothèques. Bon bah écoutez, ça c'est énervant franchement. Hein. J'ai écouté, on va retourner. Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de vaches, non. Attendez, je dois éternuer, un truc de fou. Et c'est la première fois que je vois un arbre comme ça dans l'eau. C'est la première fois que je vois ça. Si c'est un arbre solitaire celui-là. On va rentrer tranquillement à la maison avec notre petit cochon Ted. Non, c'est pas Ted, c'est pas Ted. J'hésite à prendre comme animal de compagnie un mouton ou un cochon. Ou un poulpe, pourquoi pas un poulpe. Ou alors un PNJ. Un chien, tac! Non, je crois que je vais prendre un chien. Là-bas, il y a un biome taïga avec un chien qu'on avait vu dans l'épisode d'avant. Ça peut être sympa. On va prendre ici, comme je vois des poules, on va en prendre aussi. Il manque juste des vaches. Franchement, je comprends pas pourquoi j'ai pas mes vaches d'avant. Alors, je suis vraiment déçu parce que je voulais vraiment enchanter ma pioche avec vous. J'entends un zombie. Donc voilà, on va amener nos deux petits cochons et nos deux petites poupoules à la maison.
Venez ici, j'ai pas envie que la laisse se casse. Venez, 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 venez. Il y a une poule qui est coincée. Allez, viens. Non, non, tombe pas, toi. Tombe pas dans le trou, tombe pas dans le trou, tombe pas dans le trou. Elle déconne! Tu déconnes, toi, putain! Non! Bah écoutez, on va casser la laisse de celle-là. Et on va aller chercher. Je vais aller chercher. La laisse. Ouais, toi, t'es coincé à vie. Oh, venez pas, vous. Venez pas, venez pas. Il va commencer à faire nuit. Venez! Mais qu'est-ce qu'il fout? Oh, je sais pas ce qu'il fout. Mais c'est pas vrai! Ok, écoutez, j'ai une petite solution, je crois. On va faire ça. Normalement, il est censé monter avec moi. Wow, wow, wow! Il fait des trous. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague! C'est une blague! Ok, on va pas amener de cochon. Tout ça, c'est à cause de l'eau de poupoule, hein. Putain! Non, toi, je te connais pas, tu viens avec moi. Ok, donc, venez-vous les poupoules, il va faire nuit, vite, 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 vite. On va prendre celle-là. En même temps. Et celle-là. Déconne, venez là. Qu'est-ce que vous foutez? Plus vite, il fait nuit! J'ai pas envie de voir les petits monstres. Allez, venez. Vite, 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 les poulets. Vite! Et j'ai peur, hein. Ils avancent pas. Putain, allez, là, on court. Ça, c'est dans les montées. Allez, plus vite. Voilà, au pire, dans les prochains pour les prochains épisodes, j'essaierai de trouver des vaches. Putain, franchement, pourquoi j'ai... Je trouve pas de vache. Mais c'est quoi ça? C'est où? Elle est où ma maison là? C'est tellement loin. J'ai peur que la laisse se casse entre nous deux. Entre nous tous plutôt. Oh putain, je ne vois plus rien. On va prendre une torche. Ne dis pas que j'en ai perdu une. J'en ai perdu une. Je ne vois plus rien, c'est le stress. Genre t'as des araignées, ok. Je vois une torche ici. Ok, venez toutes. Est-ce qu'il en manque une? Il en manque une. Oh, okay. Viens toi. Tu nous fais traîner. Tu nous fais traîner. Allez, plus vite. Voilà, enfin. Vous me suivez. Oui. Bon, je suis assez déçu de ne pas avoir vu de vache. Mais bon, en tout cas, pour le prochain épisode, je vous réserve une vache. Des vaches, plutôt. Et pour le prochain épisode, on va essayer d'enchanter cette sacrée pioche. Voilà, venez. Venez, venez, venez. Voilà votre nouvelle maison. Paradis ici, vous allez voir. Oh putain, un zombie. Ok, vous vous mettez tous ici, voilà. Je vais buter cette sale prix. Je vais éclairer en même temps. Voilà. On va aller dormir une petite fois. Comme ceci. Allez, 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 voilà. Et nous allons prendre les récoltes de la journée. Voilà. Ouh, qu'est-ce que tu fais, l'Enderman? Il fait putain de mal! Oh mon dieu, j'aurais pas donné tous ces coups, putain, je serais mort, hein. On va faire gaffe aux Enderman pour le moment parce que c'est pas très gentil des Enderman. Ok, on va prendre les patates. Voilà.
Pour les patates, ça nourrit pas mal aussi, donc c'est cool. J'ai pas eu le temps d'agrandir le champ, pas grave. On va prendre des petits foins. Wow! Il y en a. Wow! Il y a un putain d'éclair sur je sais pas, il y a un putain d'orage. Hein. C'est assez violent ce qui se passe chez moi. Ok. Donc voilà, on va aller accoupler nos petits moutes-moutes. Voilà. Ok, et en même temps, on va aller accoupler notre petite poupoule. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça s'accouple avec des graines, voilà. Voilà, on va les attacher là. Les bons, il y en aura un peu partout, mais bon. Voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode de notre survie en hardcore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour ma part, on se dit à la prochaine. Tchuss!